Il existe aussi une autre méthodologie dont on entend beaucoup parler, dont j'ai entendu beaucoup parler, qui est efficace. Personnellement, j'ai lu ses livres, je me suis renseignée sur Internet. Il s'agit de la méthode de Danielle Dumont, qui est une spécialiste de l'écriture. Donc, il y a des petites choses que moi j'utilise pour compléter ce que je propose déjà à l'enfant par le biais des pédagogies alternatives concernant l'apprentissage de l'écriture. Si vous voulez, voilà, rentrer plus en détail dans la méthodologie et vraiment, vraiment la connaître et approfondir, je vous conseille de lire son livre et de vous renseigner parce que je ne vais pas pouvoir, moi, tout vous faire ressortir dans les grandes idées, dans chaque petit détail. Je vais vous présenter, moi, ce que j'utilise en complément de ce que je vous ai déjà montré précédemment. Il y a aussi ce qu'elle appelle la sonnette. La sonnette, c'est tout simplement, voilà, elle propose aussi des jeux de doigts, les ombres chinoises, pour vraiment faire travailler les doigts. Mais on va pouvoir, en prenant le pouce là, on peut faire un point même sur le doigt de l'enfant et la phalange, la dernière phalange du majeur, voilà, mimer la sonnette à l'enfant, ding 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 ding, trouver des comptines peut-être autour de ça ou juste ritualiser ce geste-là. Il y a aussi ce que j'aime beaucoup utiliser et que des fois je rappelle encore à ma grande quand je vois que voilà que le stylo, bah il faut repositionner les doigts. C'est le jeu de la fléchette. Quand on joue aux fléchettes, eh ben c'est pareil, on va positionner notre fléchette et on va tirer, voilà, on va faire comme si on allait lancer une fléchette avec les doigts. Donc c'est vraiment le majeur et le pouce qui coincent le crayon. On lève l'index, on peut lui dire tu lèves l'index, tu vois le crayon il tient toujours et on le pose juste, ça permet de diriger. Voilà, comme si on allait lancer une fléchette. Je vais vous montrer en fait ce qui sera demandé, ce que vous pouvez proposer à l'enfant et pourquoi. Donc vous prenez tous les objets que vous voulez. Là, je vais proposer quelque chose pour vous faire une démonstration. Par exemple, je vais utiliser ces barres métalliques et proposer à l'enfant, ou le faire avec lui, d'aligner les barres métalliques pour pouvoir faire un trottoir, par exemple. Voilà. Donc ça va représenter dans mon histoire le trottoir et on va aligner les barres métalliques. Je m'arrête là. Ensuite, on lui demandera d'aligner les voitures les unes derrière les autres en file indienne le long de ce trottoir-là. Voilà ce que je peux demander à l'enfant. Voilà en quoi consiste, je dis, en quoi. Qu'est-ce que c'est l'alignement? C'est de tout simplement d'aligner tous les objets que vous aurez envie de lui faire aligner sur la table avec une histoire. Là, j'ai mis une mise en scène. On va voilà, construire un trottoir, garer des voitures en file indienne. Mais ça peut être finalement d'aligner tout simplement des bouchons, des boutons sur une ligne, des embouts spéciaux sur un plateau à embouts. Ensuite, on pourra le proposer sur du papier avec des gommettes. Donc, de vraiment travailler l'alignement et puis même le retour à la ligne en proposant par exemple un autre alignement. À ce moment-là, voilà, on pourra mettre les voitures là, proposer un autre. Bon, j'ai pas plus de voitures, mais c'est pour montrer un autre alignement. Tout simplement parce que quand on écrit de la gauche vers la droite, et il y a un espace entre chaque mot. Et puis quand on est au bout de la ligne, on revient à la ligne. Donc ça, c'est tout simplement automatiser ces gestes-là par des jeux d'alignement qu'on va lui proposer, nous, avec tout un tas d'objets, avec, je disais, une fois qu'on est passé par la manipulation et les objets, on pourra le proposer avec des gommettes sur du papier. Alors, pour travailler aussi pareil dans je dirais les gestes de l'écriture, c'est que quand on écrit, voilà,
il y a tout, il y a la main, le poignet, l'avant-bras en fait qui bouge. Voilà, qui bouge. Ça va être ça le geste de l'écriture. Donc, on va pouvoir proposer à l'enfant, pour automatiser ce geste, on va proposer le jeu du bulldozer. Alors, vous mettez ce que vous voulez, mais voilà, le bulldozer, hop, il dégage les voitures. Donc, on va poser le coude, l'avant-bras, le poignet et la main à plat. Donc, on va lui demander de faire le bulldozer.